Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Plus de 80 pays réunis dimanche à Davos, en Suisse, pour discuter d'un plan de paix en Ukraine, sans la Russie. C'est la quatrième rencontre de ces conseillers à la sécurité nationale, près de 2 ans après le début de l'invasion russe. Les discussions reposent sur un plan en 10 points du président ukrainien Volodymyr Zelensky. The World Economic Forum annual gathering has started earlier this year with the fourth round of the Ukraine Peace Formula talks hosted by Ukraine and Switzerland. And although there were more countries participating here in Davos compared to the previous round in Malta, China did not attend the gathering. I asked Andriy Yermak, the head of the Office of the President of Ukraine, whether Kyiv is trying to get China on board. It's important that all the countries who is coming, they really, honestly want to participate and to help to end this war and to bring the peace. But there is a different thought idea how it's possible to do. And different countries have the different experience. Pour Kiev, la Chine doit faire partie du processus de paix car Pékin est un allié de poids de Moscou. Le premier ministre chinois Li Xiang dirigera une délégation à Davos cette semaine. Ukraine's president Volodymyr Zelensky was not at the Sunday meeting, but he will be here in Davos on Tuesday addressing the World Economic Forum the same day as Chinese premier. Sasha Vakulina for Euronews. From Davos. La défaite de l'Occident, ça veut dire que l'Occident est en guerre, était en guerre, Emmanuel Todd. Est-ce que c'est pas la rhétorique de Vladimir Poutine, ça, l'idée que la Russie se bat contre l'Occident, elle se bat contre l'Ukraine qu'elle a envahie, non? C'était dans ses discours, il a fait deux interventions d'échelle mondiale à la veille de ce que les Russes appellent opération militaire spéciale et ce qu'on appelle invasion, dans lequel, je le souligne dans le livre, il désignait clairement l'adversaire, et l'adversaire c'était l'OTAN, l'Occident. Et dans l'esprit des Russes, ce qu'ils font en Ukraine n'est qu'une dimension parmi d'autres de l'affrontement. Le véritable affrontement d'ailleurs a tout de suite été économique. L'Occident attendait une victoire de la politique de sanctions. Bruno Le Maire, d'ailleurs, s'était particulièrement illustré en disant, quelques jours après la décision de sanctions, qu'on allait mettre à bas l'économie russe. Et tout le problème pour les Russes, c'était de savoir si les mesures qu'ils avaient prises depuis 2014 pour se mettre en situation d'affronter de nouvelles sanctions occidentales allaient fonctionner. Alors ensuite, la surprise, c'est qu'ils ont eu plus de problèmes militaires qu'ils n'anticipaient et plus de succès dans leur défense économique qu'ils ne l'anticipaient également. Et c'est là que se joue l'affrontement. Et ce qui permet aujourd'hui de dire que les États-Unis et l'OTAN ont perdu cette guerre en Ukraine, c'est qu'ils ne sont pas capables de fournir l'armée ukrainienne en matériel suffisant. C'est-à-dire qu'il y a eu un affrontement, mais c'était pareil pour la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, l'armée rouge, l'armée russe de l'époque, si on peut dire, a fini par écraser la Wehrmacht avec des pertes énormes, parce que l'Union soviétique avait fait mieux en termes de construction de matériel militaire que les Allemands. Et à une plus petite échelle, Dieu merci, il est en train de se passer la même chose. Vous voyez, actuellement, on se dit, les débats du Congrès, allons-nous signer, voter des crédits supplémentaires pour les Ukrainiens, etc. Donc tout le monde s'inquiète. Mais la vérité, c'est que ça n'a aucune importance. On sait déjà, c'est dans des rapports de think tank affiliés au Pentagone, que l'industrie militaire américaine n'est plus en état de fournir l'Ukraine. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez ce matin sur les premiers pas du nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il s'est rendu ce week-end en Ukraine.
Oui, l'arrivée tonitruante de Rachida Dati a éclipsé l'autre curiosité du casting gouvernemental, la nomination de Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Vous pouvez prendre l'annuaire diplomatique et remonter les cinq républiques, les Bourbons, les Valois. Vous ne trouverez aucun homme d'État propulsé à la tête des affaires étrangères, aussi jeune et avec aussi peu d'expérience. Stéphane Séjourné n'a jamais été ministre, ce n'est pas non plus un ancien ambassadeur, il a fait des études de droit, c'est son viatique, du monde, il a les souvenirs d'un fils d'expatrié et l'expérience d'un député européen. Alors à la tête du groupe Renew Europe, il a été diplomate, hein, mais le monde ne se réduit pas à Bruxelles. Dans le CV de cet inconnu célèbre, ce qu'on retient, c'est qu'il a conseillé le président Macron et qu'il a été paxé avec le Premier ministre Attal. C'est donc avec une grande curiosité qu'on a suivi ses premiers pas sur la scène internationale, car il ne s'est pas enfermé dans son bureau à lire les télégrammes, c'est fastidieux, ou à se faire briefer par les directeurs du quai, c'est vieux jeu. Il est parti pour Kiev, Catherine Colonna avait prévu d'y aller, il a chaussé ses bottes. Ouais, il faut dire que l'exemple vient d'en haut, hein. Gabriel Attal a fait 5 déplacements en 5 jours. Et lui, 3 en 3 jours, Ukraine, Allemagne, Pologne, c'est le réflexe Sarkozy, aller sur le terrain pour occuper le terrain médiatique. Stéphane Séjourné a fait pareil, il est allé à Kiev avec les caméras. Derrière moi, la guerre. Regardez-le face à Volodymyr Zelensky, il tutoie l'histoire. Il lui malaxe même le bras. En 2007, Nicolas Sarkozy, sitôt intronisé président, avait filé à Berlin chez Angela Merkel pour montrer que l'alliance avec l'Allemagne restait le pilier de notre politique européenne, comme sous Chirac, Mitterrand et Giscard. Le voyage à Kiev de Stéphane Séjourné s'est voulu tout aussi symbolique. Il a mis les sous-titres « L'Ukraine est la priorité de la politique étrangère de la France ». Et en quoi est-ce que cela vous surprend, Vincent ? L'Ukraine, priorité de la France, est un slogan de campagne pour les élections européennes. La réalité présente, c'est que les Ukrainiens sont dans une impasse stratégique. Ils n'ont pas besoin de tapes dans le dos, mais de soldats, et puis d'armes, de munitions, de milliards que le Congrès américain rechigne à leur livrer et que la France est bien incapable de leur fournir. La priorité de la politique étrangère de la France, c'est d'assurer la paix et la sécurité. Sa raison d'être, la souveraineté de la France. Défendre l'intérêt bien compris des Français n'est pas un programme égoïste, c'est une urgence avec la montée des périls alentour et le discrédit général qui frappe notre pays le met en danger. S'il s'est penché à la fenêtre de son wagon en quittant l'Ukraine, le nouveau ministre a peut-être aperçu les tracteurs des paysans polonais qui bloquent la frontière depuis novembre. S'il va en Roumanie, il verra la même chose. Tous désespèrent de joindre les deux bouts avec la concurrence déloyale de l'Ukraine, grande nation céréalière. Il n'y a aucune raison de penser que les agriculteurs français soient épargnés. Les voyages forment la jeunesse et les diplomates. Ils peuvent aussi ne former qu'une kermesse de promesses électorales. Alors pour revenir le front terrestre, toujours sur Khrinky, cette opération dramatique qui est en train de tourner au massacre des 4 brigades d'infanterie de marine ukrainienne, là, ça n'a plus de sens. Et quand on entend parfois sur les plateaux télé que la différence entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est que l'armée ukrainienne prend soin de ses effectifs, non. Non, parce que là, honnêtement, c'est vraiment une mission de massacre qui n'a plus aucun sens. Ça voudrait dire qu'ils aient mis ou un pont, un ponton, ou alors qu'ils assurent des transvasements avec des moyens de génie qui amènent des engins blindés de l'autre côté de la rive. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la supériorité aérienne, ça veut dire sur au moins locale. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la supériorité des feux au moins locale. Et il faut qu'ils arrivent absolument à s'extirper de cette zone marécageuse, parce que là, c'est une zone marécageuse où les pauvres soldats ukrainiens n'arrivent même pas à creuser, en fait. Alors maintenant, c'est plus ou moins gelé. Mais il faut bien comprendre que là, un soldat qui est blessé, là, c'est un soldat qui est mort. Or, ce que l'on peut constater, c'est que les Ukrainiens s'obstinent souvent à rester sur des positions qui sont intenables. Donc là, Khrinky, c'est le massacre. Mais il ne faut pas se leurrer, la plupart des positions qui ont été conquises par les Ukrainiens, notamment sur la trouée de Zaporijja et le saillant de Robotyne, ce sont des positions qui sont intenables. Qui sont intenables et qui, à terme, vont être reprises par les Russes. Sur le front de Donetsk, notamment la ville de Marinka, eh bien, les forces russes cherchent bien sûr à contourner la position de Vouledar, face à laquelle ils avaient eu d'énormes difficultés il y a quelques mois, hein, lorsqu'ils avaient cherché à attaquer. C'est une ville qui a également une position fortifiée, et ils cherchent à la contourner en passant par
le point d'appui de Podemba. Donc, ce sont des combats quand même qui vont continuer à être durs, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a encore, il y a les troupes ukrainiennes, même s'il y a des difficultés, continuent à se battre. Et on le voit très bien sur Avdiivka, hein, puisque la fameuse 47e brigade mécanisée, même si elle a subi énormément de pertes, elle reste quand même opérante, puisque il n'y a pas de délitement sur Avdiivka des forces ukrainiennes. Sur Bakhmout, la poursuite de l'avancée vers Chassoviar avec deux brigades, un régiment de parachutistes et une brigade de parachutistes russes. La poussée qui se continue également sur la zone de Kupiansk, et notamment sur le village de Sikimka, qui serait l'objet de combats très très intenses, hein, dont l'intensité serait comparable justement aux combats qui ont eu lieu sur Bakhmout en termes d'intensité, hein, et de férocité. Alors, globalement, qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais il y a cette grande offensive russe à l'issue d'un délitement éventuel, partiel ou total de certaines parties du front ukrainien, puisque c'est le but de la guerre d'attrition. La guerre d'attrition, c'est rendre l'adversaire tellement faible qu'il ne peut plus contrer ou frapper les concentrations de force qu'il pourrait détecter. Donc, ça serait éventuellement, bien sûr, l'objectif, reconquérir les quatre oblasts qui ont été annexés. Ensuite, on verra si les Russes ont les capacités de faire autre chose ou que les Ukrainiens ont les capacités de les arrêter, ou qu'il y a cette négociation sur la pression sur la Crimée qui pourrait devenir un facteur important. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Bien écouté, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Ministre des Affaires étrangères de la France, c'est quand même pas mal. Et voilà, il vient d'être, comme vous le savez, nommé. Et sa première visite a été en Ukraine. Et donc, on se dit, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, représentant la France, doit parler un français impeccable. Eh bien, vous allez voir. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. Alors ça, écoutez, ça m'a fait plaisir, vraiment, on commence tellement bien, on commence tellement bien. Voilà, je suis venu voir avec Volodymyr ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Peut-être qu'il pourrait dire ce dont les Ukrainiens ont besoin. Oui, mais il a voulu faire rapide, vous comprenez. Et puis, je veux dire, voilà, ça fait changer. Zelensky parle pas français. Alors, je peux lui dire ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Zelensky va rien y comprendre, donc ce n'est pas grave. Et puis alors, c'est magnifique, qu'est-ce que c'était, les festinons, le côté, alors il y a le carnaval, il y a les festivals, il y a tout cela, c'est-à-dire que, c'est pas moi qui décidera, les principes fondamentaux, magnifique, les principes fondamentaux. Attendez, les principes fondamentaux, mais fondamentaux, c'est pas les principes fondamentaux? Oui, bon, ça lui a passé, mais vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'on fait tous des erreurs, on parle vite et on dit n'importe quoi, ça arrive. Moi, je dirais ces principes fondamentaux et je corrigerai tout de suite. Principes fondamentaux, bien sûr, ma langue a fourché. Eh ben non, apparemment, il n'a pas du tout corrigé. Et puis, alors, le pompon des pompons, c'est pas moi qui décidera. Alors là, c'est pas beau, c'est pas moi qui décidera. Alors, voilà, c'est intéressant parce que on nomme donc comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui a commencé dès hier sa prestation diplomatique en parlant le ouzbek. Oui, ou peut-être il pensait parler ukrainien, peut-être qu'il avait appris quelques mots d'ukrainien, et qu'en ukrainien, ça se dit, c'est pas moi qui décidera, ou c'est les fondamentales, ou voilà, ce qui est bon, hein, pour eux, ce qui est bon. Écoutez, franchement, cher ministre, prenez peut-être un peu de temps, je suis sûr, vous n'aurez pas beaucoup de loisirs eu égard à la politique étrangère de la France et ce qui se passe dans le monde. Mais prenez peut-être un professeur de grammaire, comme ça. Allez, une demi-heure par jour, je vous assure, ça vous fera du bien. Et à nous aussi. Le grand froid va-t-il influencer le vote pour la primaire des Républicains aux États-Unis? Comme d'habitude, c'est l'Iowa qui ouvre les votes, mais la neige, un thermomètre au plus bas et un vent glacial menaçant pour la vie, disent les autorités, risque de décourager les plus motivés. Dans le dernier sondage publié vendredi,
L'ancien président Donald Trump est largement en tête, avec 48% des intentions de vote, mais son équipe voudrait passer la barre symbolique des 50%. Loin derrière lui, deux candidats républicains se battent pour la deuxième place. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Washington auprès des Nations Unies, gouverneure de Caroline du Sud, elle se dit optimiste pour ce premier caucus de l'Iowa, même si elle n'est créditée que de 20% des voix. Son concurrent, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, est légèrement derrière elle, avec 16%. Il prétend aimer ce rôle de l'outsider. L'entrepreneur Vivek Ramaswamy espère lui aussi créer la surprise. Ce sera compliqué, il est à 8% dans les sondages. Ce fils d'immigré indien a largement autofinancé sa campagne. C'est vrai, le bassin permien. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ces quelques 200 000 km² situés entre l'État du Texas et celui du Nouveau-Mexique, où l'on exploite le pétrole et le gaz de schiste. Cette région, ainsi que la côte du golfe du Mexique jusqu'à l'État de Louisiane, ont fait des États-Unis le premier producteur d'hydrocarbures au monde en 2023. En fait, l'Amérique a littéralement inondé d'hydrocarbures les marchés mondiaux, ce qui a permis de faire baisser les cours du pétrole et ceux du gaz naturel, malgré la guerre d'Ukraine, malgré les tensions au Moyen-Orient. Donc l'Amérique a produit davantage que l'Arabie Saoudite ? Mais bien davantage. En 2023, les États-Unis ont augmenté leur exploitation d'un million de barils par jour pour la porter à 13 millions de barils quotidiens, ce qui représente 16% de la production mondiale. L'Arabie Saoudite, elle, ça n'est que 11%. Autre élément important, si on additionne les productions américaines et canadiennes, ça pèse plus que celle du Moyen-Orient. C'est un basculement économique et géopolitique considérable. Et c'est la même chose pour le gaz ? C'est la même chose. L'Amérique est devenue l'année dernière le premier exportateur de gaz naturel liquéfié devant le Qatar. Les 7 terminaux du pays peuvent produire plusieurs milliards de mètres cubes par jour. C'est plus que la consommation de l'Allemagne et de la France réunies. Et justement, c'est l'Europe qui a été le gros client des États-Unis cette année parce qu'elle a dû remplacer le gaz russe. 5 autres terminaux sont prévus ou bien en construction sur la côte du golfe du Mexique pour charger les navires qui partent à l'exportation. L'Amérique représente aujourd'hui 20% de la production mondiale. Ça sera en 2026 25%. Bon, c'est un bouleversement stupéfiant que vous nous décrivez. Les réserves américaines d'hydrocarbures sont importantes à ce point. Elles sont considérables. D'autant que l'exploitation à grande échelle de ces gisements, elle ne date qu'une grosse dizaine d'années. Et puis, parallèlement, les techniques de forage et d'extraction n'ont cessé de s'améliorer. Il est désormais possible de forer sur un axe horizontal, sous le sol, dans la roche, sur plusieurs kilomètres de long. Mais ça veut dire qu'on ne connaîtra plus de crise du pétrole ? Alors, on peut peut-être pas aller jusque-là. Non. Si l'Iran, par exemple, bloquait le détroit d'Ormuz, par lequel transite une bonne part de la production du Moyen-Orient, la production américaine ne suffirait pas à compenser. Mais c'est quand même un amortisseur important par rapport à il y a 15 ans. Et plus encore pour les États-Unis, qui pourraient être autosuffisants et qui profitent, grâce à cette abondance, d'un prix d'énergie ultra compétitif qui va leur permettre d'attirer sur leur sol les industries du monde entier. Bon, c'est quand même pas terrible non plus pour l'environnement tout ça. Non, c'est vrai, c'est incontestable. Et d'ailleurs, les habitants des régions productrices se plaignent de la pollution causée par l'exploitation des schistes. Et ils reprochent au président Biden son virage à 180 degrés. Le président américain avait promis de brider l'industrie pétrolière. Il a complètement abandonné cet objectif après l'invasion de l'Ukraine et après le déclenchement de la crise de l'énergie. Bon, c'est regrettable, mais si l'Amérique ne produisait pas autant, nous n'aurions peut-être pas de quoi nous chauffer cet hiver. C'est la morale de cette histoire. Merci beaucoup, François Langlais. Il y a un mois, aux États-Unis, ils viennent de voter une loi, le Congrès américain, disant que la NSA est autorisée à écouter tous les gens de tous les pays, à l'exception des Américains. C'est-à-dire qu'il y a un mois, ils ont réautorisé leur société d'écoute à la NSA à écouter tout le monde dans le monde, donc les entreprises et tout. Pourquoi ? Pour favoriser les Américains. Donc, face à ça, vous avez ceux qui disent « Ah ben non, mais c'est dommage, c'est ennuyeux et tout. » Et puis il y a ceux qui disent « Mais attendez, ils sont en train de nous rouler dans la farine, il faut qu'on réagisse. » Vous avez vu la Trump qui s'est moqué de Macron cette semaine ? Je sais pas si vous avez vu cette scène. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. Mais Trump, il est parfaitement représentatif de ces Américains qui disent « Attendez, il y a l'Amérique, nous, et puis il y a le reste du monde, ils sont aux ordres. » Pour eux, c'est dans leur esprit, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on doit l'accepter ? Bien sûr que non.
La présidente de l'American Institute in Taiwan, Laura Rosenberger, et des membres de la délégation américaine composée d'anciens hauts responsables du gouvernement sont arrivés ce dimanche soir à Taïwan pour des réunions post-électorales avec des dirigeants politiques locaux. La Chine, qui s'oppose à toute interaction étrangère avec Taïwan, n'a pas indiqué si elle considérait cette visite comme officielle. Londres a elle aussi félicité le nouveau président élu taïwanais, Lai Ching-te. First of all, we should congratulate the Taiwanese for carrying out another set of elections. And in terms of what happens next, look, we, you know, don't want to see any unilateral change in the arrangements across the Taiwan state. We don't believe in the use of force in any way in this situation. And we wish the new president well. Les partisans de Lai Ching-te se sont réunis samedi soir au siège du Parti démocrate progressiste à Taipei pour célébrer sa victoire. Le nouveau président élu s'est adressé pour la première fois aux médias internationaux peu après la publication des résultats. Fête du printemps n'arrive que dans un mois. De nombreux lieux ont déjà commencé leurs préparatifs pour le nouvel an chinois. C'est une période dont les gens pensent. C'est un nouveau départ. C'est une fête de réunion familiale pleine de rituels. Il est donc très intéressant d'une certaine manière de voir des gens tout à fait différents ici. Les jeunes, ceux qui seront les consommateurs de demain et qui accueillent le nouvel an chinois à leur manière. Et du côté des commerçants, nous pouvons célébrer les arts de la culture traditionnelle chinoise dans le format de la créativité moderne. Nous avons préparé de nombreuses activités pour offrir une atmosphère de style shanghaïen au nouvel an lunaire. Ce magasin éphémère est devenu une nouvelle attraction dans le centre-ville de Shanghai. De nombreux passants l'ont remarqué et s'arrêtent pour prendre des photos. C'est la troisième année que la MAC lance une édition limitée pour le nouvel an chinois. Mais c'est la première fois qu'elle investit dans un magasin éphémère pour cette fête, associant ainsi un marketing moderne à la fête traditionnelle. Lors de la précédente collection, nous avons reçu de très bons retours, ce qui nous a encouragés à lancer d'autres initiatives et à trouver des sources d'inspiration tout au long du processus. Une installation géante représentant un renard arctique est apparue dans la rue d'un autre centre commercial du centre-ville, attirant un grand nombre de visiteurs. C'est vraiment unique, vous savez. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir ailleurs. Lorsque je l'ai vu en ligne, je me suis dit qu'il fallait que je vienne le voir. Les responsables du centre commercial espèrent que le renard attirera davantage de clients et incitera même certains d'entre eux à dépenser pour des articles de grande valeur. L'installation artistique nous a attiré la marque automobile Arc Fox. Nous avons préparé des activités interactives sur le thème de l'installation du renard. Selon Madame Xu, le renard arctique est depuis longtemps un symbole de force et de persévérance. La fête du printemps pourrait donc être un bon moment pour exposer l'installation géante dans le centre commercial. Celui-ci organisera également des foires de shopping et offrira des réductions pendant le nouvel an chinois. Nous sommes témoins, quelquefois protagonistes, témoins, chroniqueurs, analystes, d'un moment tout à fait exceptionnel, à mon avis, de l'histoire contemporaine, de l'histoire humaine tout court. Nous assistons à une véritable bascule des mondes, au passage d'un monde qui était malgré tout hiérarchisé autour des puissances et des valeurs occidentales, vers un monde qui sera multipolaire, qu'est-ce que ça veut dire, mais qui en tout cas va être un monde de tensions et de blocs qui vont faire concurrence à ce modèle occidental, qui est un modèle pas seulement politique ou économique, c'est un modèle anthropologique, c'est une idée de l'être humain, c'est une idée de la société, c'est une idée de la réalité même que l'Occident a essayé d'imposer, qu'il a réussi à imposer pendant plusieurs siècles sur la planète entière, et qui est en train aujourd'hui de simplement se décomposer sous nos yeux. Xi Jinping, sur le perron du Kremlin, lorsqu'il est venu en voyage, tout ça était très organisé. Comme par hasard, les caméras étaient là. Comme par hasard, il y avait l'interprète qui était là. Et on a entendu Xi dire « Nous sommes confrontés à un changement que l'on n'a pas vu depuis un siècle. Prenez soin de vous, mon ami », a-t-il dit à ce moment-là à Poutine, ce qui en disait énormément. Personnellement, je pense que c'est un changement qu'on n'a pas connu depuis 500 ans. Ça, je crois. Et je regardais hier sur Arte, je le reconseille à mes auditeurs, le documentaire en quatre parties de François de Ribérolle sur Magellan.
hein, qui était la période de la conquête, de la deuxième mondialisation occidentale, après celle de l'Empire romain. Eh bien, c'est cette phase-là qui avait été enclenchée par l'Occident, qui est en train de se refermer. J'ai pas dit se terminer, hein, je dis bien se refermer. Après des mois d'incertitude, Bernardo Arévalo a finalement prêté serment en tant que nouveau président du Guatemala. L'investiture du social-démocrate s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi au Théâtre National à Guatemala, une cérémonie retardée de plusieurs heures en raison de débats menés au Parlement par les députés de droite. Bernardo Arévalo avait été élu en août dernier avec une marge confortable sur son engagement à combattre la corruption. Depuis, les embûches semées par une élite politique et économique considérée comme corrompue s'étaient accumulées. En Colombie, au moins 34 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants, dans une double coulée de boue sur une autoroute très fréquentée entre Medellín et Quibo. Selon les premiers éléments d'information, les conducteurs et les passagers auraient réussi à trouver un abri contre la pluie dans une maison voisine, mais une seconde coulée de boue est survenue, emportant l'édifice et enfouissant complètement le bâtiment avec tous ses occupants. Les secours ont déjà retrouvé les corps de 17 victimes. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique a encouragé le Conseil de sécurité à poursuivre ses efforts pour prévenir l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Cet appel intervient alors que les outils du Yémen ont promis vendredi une riposte féroce aux récentes attaques dirigées par les États-Unis. Ces développements en mer Rouge et le risque d'exacerbation des tensions régionales sont alarmants. Les Houthis ont attaqué après l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité. Et les événements d'hier démontrent que la région est sur une mauvaise trajectoire qui pourrait avoir des répercussions sur le monde entier. Les bombardements des sites au Yémen font suite aux attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. Cependant, cette opération a accentué les craintes d'une propagation régionale du conflit entre Israël et le Hamas. La région du Moyen-Orient est déjà au bord d'un danger extrême. La dernière chose dont nous avons besoin, à ce stade, est un aventurisme militaire imprudent. Il faut éviter que le conflit ne s'étende davantage. Nous demandons aux parties concernées, en particulier aux pays dont l'influence s'exerce, de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international, de maintenir le cap du dialogue et de la consultation, et aussi de déployer des efforts concrets pour maintenir la paix et la stabilité en mer Rouge. En mer Rouge, les attaques recentrent l'attention mondiale sur le conflit yéménite qui a débuté en 2014 avec la prise de la capitale par les Houthis. Nous disons à l'agression américano-britannique, peu importe l'ampleur de vos frappes, de vos bombardements et de vos tentatives de pression sur nous, rien ne nous fera peur. Le peuple yéménite s'opposera toujours à l'agression israélienne contre la Palestine et maintiendra ses principes religieux, islamiques et moraux dans le cadre du concept de coopération entre les peuples islamiques. L'Amérique nous a bombardés et la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite nous a bombardés pendant 9 ans. Les camps militaires sont vides et nous sommes prêts à vivre, quelles que soient les conditions. Tout navire se dirigeant vers Israël par la mer Rouge sera pris pour cible par l'armée yéménite. Le peuple yéménite ne s'agenouillera pas et nous sommes prêts à nous battre contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Notre position concernant la Palestine est honorable, car il s'agit d'une position humanitaire. L'agression contre Gaza doit cesser et la nourriture et les médicaments doivent pouvoir entrer en Palestine. La coalition menée par les États-Unis en mer Rouge a mené donc des bombardements donc au Yémen. 30 sites différents ont été touchés par plus de 150 missiles, donc selon le Pentagone. Donc les principales frappes ont eu lieu donc sur Sadaa, sur la capitale Sanaa, sur Damar, Taïz, Zabib et Al-Adouida. Donc ces frappes ont eu lieu le 11 janvier, mais également dans la nuit dernière, où l'aéroport de Sanaa, ici, a été touché par un Tomahawk qui aurait détruit un radar. Donc j'utilise le conditionnel parce qu'il n'y a pas de visuel sur la destruction de ce radar. Et plusieurs installations militaires, donc des outils, ont été ciblés et touchés dans ces bombardements. Également la base navale qui se situe à Al-Udaïda, qui est ici exactement.
Nous nous félicitons de l'accord qui prévoit une augmentation de l'aide à Gaza, mais nous devons nous rendre à l'évidence. Les besoins actuels sont tout simplement si importants qu'il faudrait des centaines de camions entrant chaque jour pour commencer à y répondre. Il y a près de 2 millions de personnes dans une très petite zone de Gaza qui dépendent de très peu d'installations médicales, en état de marche en particulier. Il y a tellement d'aspects de la santé et de traitements médicaux que les gens reçoivent qui ne peuvent pas être satisfaits en ce moment. C'est aussi un défi lorsque nos équipes reçoivent des fournitures médicales ou toute autre aide. Elles ne peuvent pas les distribuer de manière sûre et efficace. Comment le CICR répond-il aux critiques concernant son manque d'action pour assurer l'accès aux otages et garantir leur sécurité et leur bien-être? Nous continuerons à demander publiquement la libération immédiate des personnes retenues en otage et notre accès à ces personnes. Pour l'instant, nous n'avons pas accès aux otages. Pour ce faire, nous avons besoin d'un accord des parties au conflit. Nous ne participons pas à cette négociation. Nous ne sommes pas une organisation politique, mais pour avoir accès aux otages dans le cadre d'une opération très complexe, nous avons besoin d'un accord très ferme de la part des deux parties sur le fait qu'il s'agit d'une chose sur laquelle elles sont fermes et qu'elles acceptent. Nous sommes prêts à accéder aux otages, à faciliter leur libération et leur fournir les médicaments dont ils peuvent avoir besoin afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Il sera impossible de le faire et il ne sera pas sûr pour les otages eux-mêmes de le faire, alors que des hostilités armées sont en cours. C'est pourquoi nous avons besoin d'un accord ferme des deux parties au conflit. Nous sommes prêts à jouer notre rôle et à intervenir en tant qu'intermédiaire neutre, mais nous n'avons pas d'affiliation politique. Nous n'avons pas d'armes. Nous ne pouvons pas enfoncer les portes sans cet accord. La présidente du CICR a récemment qualifié le conflit à Gaza d'échec moral de la communauté internationale. Pourriez-vous nous en dire plus sur les implications de cette déclaration et sur la manière dont le CICR envisage de faire face à la situation? L'impact de ce conflit, qui se déroule depuis un peu plus de 3 mois, aura des conséquences pendant des décennies. Des vies ont été détruites. Des gens ont perdu des membres de leur famille. Ils ont perdu leurs proches. Ils ne peuvent pas penser à l'avenir en ce moment parce qu'ils sont tellement concentrés sur le fait de passer la prochaine minute, la prochaine heure ou le prochain jour. C'est ce dont parlait notre présidente lorsqu'elle a déclaré qu'il y avait un échec moral et nous sommes témoins de ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est une résolution diplomatique pour que les civils soient placés au centre de ce conflit, de sorte qu'ils soient protégés et respectés, et que les choses puissent commencer à reconstruire lentement. Les organisations humanitaires et les organisations internationales ne peuvent pas faire grand chose, car il ne suffit pas de fournir de l'aide et des fournitures au jour le jour pour que les gens puissent vivre. Il est de la responsabilité de toute partie à un conflit de s'assurer que les civils ont accès à leurs besoins de base, à l'essentiel, et qu'ils peuvent vivre leur vie dans la dignité. Alors maintenant, si on fait le bilan dramatique de cette opération sur 3 mois, donc on serait à 23 000 morts sur la population gazaoui. Alors bien sûr, certaines personnes vont rétorquer que ce sont les sources du Hamas, mais bon, jusqu'à présent, peu de gens contestent ces sources-là. Ne pas oublier que cette population gazaoui était composée à 40% d'enfants, donc dans ces 23 000 morts, on peut considérer qu'on va retrouver potentiellement, malheureusement, la même proportion d'enfants. Et on ne parle pas des blessés, ni des conditions sanitaires qui sont liées au traitement de ces blessés, puisque quasiment aucun des établissements hospitaliers de la zone ne fonctionne correctement. Historique. L'Afrique du Sud a, jeudi dernier, avec un dossier de 84 pages, très documenté donc, accusé Israël de violer la Convention des Nations Unies sur les génocides devant la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice. Elle lui demande à la Cour internationale de justice d'enjoindre Tel Aviv de suspendre, je cite, immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. En attendant, c'est le monde entier qui risque de se cristalliser autour de cette affaire majeure. Les pays se positionnent, évidemment, Grande-Bretagne et États-Unis, derrière Israël notamment, mais derrière l'Afrique du Sud, déjà, je crois, 11 pays africains et la Belgique le soutient également. Alors, d'abord, il faut savoir quelle est la juridiction concernée. Ce n'est pas la Cour pénale internationale qui s'est déconsidérée. Il y a eu le fameux mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui était une opération téléguidée par l'Occident. Non, là, il s'agit de la Cour internationale de justice, qui est l'organe juridictionnel de l'ONU et qui tranche des contentieux entre pays.
C'est-à-dire que ils sont saisis, et c'est le cas en la circonstance, la CIJ a été saisie par un pays, l'Afrique du Sud, qui a formé un recours, qui a déposé une requête contre un autre pays pour ces violations du droit international, et en particulier ce qui concerne les conventions sur le génocide. Voilà, il s'agit de ça. Alors, sur le plan procédural, c'est pas une juridiction pénale, hein. Elle doit trancher un certain nombre de problèmes, mais l'Afrique du Sud a utilisé une procédure que je considère comme intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on vous demande d'intervenir quasiment à titre conservatoire pour donner à Israël une injonction de cesser son opération militaire sur Gaza et cesser par conséquent le génocide. Je vais dire un petit mot, la qualification de génocide. Et donc, pour pouvoir délivrer cette injonction, il faut qu'au préalable, évidemment, même si c'est à titre provisoire, il faut que la CIJ se prononce sur la réalité du génocide. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle qualifie ce qui est en train de se passer, qu'elle le qualifie de génocide. Et c'est tout, toute l'importance d'une procédure judiciaire. Sur le fond, j'ai écouté Netanyahou avec une impudence extraordinaire, qui disait « Ah oui, mais comme vous n'avez rien fait concernant la Syrie ou concernant l'Irak, ou mais enfin, écoutez, monsieur Netanyahou, c'était vous qui étiez derrière les opérations qui ont abouti à ces déplacements de population, qui ont abouti à ces massacres-là. Vous étiez non seulement avec les États-Unis, mais vous avez armé un certain nombre des protagonistes dans ces conflits-là. » Et puis bon, on connaît cette façon de dire « Ah oui, mais si vous n'avez pas condamné Paul, vous ne pouvez pas condamner Jacques. » Donc, on a effectivement une procédure d'urgence. Hein, je rappelle qu'elle a été déposée fin décembre. On a surtout l'une des premières, sinon la première, en fait, action politique concrète pour essayer d'arrêter ce qui se passe. Puisque, effectivement, ce qui a caractérisé l'état du monde depuis trois mois, c'est que beaucoup, quand bien même ils déplorent ce qui se passe, ont assisté impuissants. Et là, c'est la première action qui est mise en place. Avec, je voudrais souligner une deuxième conséquence, c'est que, puisqu'il s'agit de la juridiction de l'ONU, c'est la première fois depuis longtemps qu'Israël est obligé d'assumer un certain nombre d'actes, de décisions devant les Nations Unies. Parce qu'en fait, ce qui caractérise en fait, si je peux faire un bref retour en arrière, beaucoup argumentent pour ou contre Israël, pour ou contre les Palestiniens, mais pour bien comprendre le fond des choses, il y a des résolutions des Nations Unies depuis 1967 qui n'ont jamais été appliquées, jamais respectées par l'État d'Israël. Et on pourrait même remonter à 1948 où effectivement l'État d'Israël a pris ce qu'on lui donnait mais n'a pas assumé les contreparties. Cette vidéo a fait 37 secondes, elle n'est pas datée et la plupart des médias ont choisi de ne pas la diffuser, nous non plus, puisqu'elle représente la guerre psychologique du Hamas à l'état pur. D'ailleurs, le message à la fin qui est noté, c'est « Demain, nous vous informerons de leur sort. » Donc demain, en parlant d'aujourd'hui. Donc le Hamas, on sait qu'il a utilisé à plusieurs fois la carte des otages pour faire pression sur Israël. Dans ses vidéos, il les montre vivants. À d'autres reprises, le Hamas affirme qu'ils ont été tués dans des frappes israéliennes. Et à d'autres reprises, le Hamas menace de les exécuter en réponse aux opérations d'Israël. Le ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à poursuivre la campagne militaire à Gaza jusqu'à ce qu'il appelle une victoire totale. Mais la Maison-Blanche estime que c'est le bon moment pour Israël de réduire ses opérations militaires à Gaza. Dimanche marquait le 60e jour du conflit entre Israël et la Palestine. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 24 000 Palestiniens ont été tués et plus de 60 000 autres blessés dans les attaques israéliennes depuis le 7 octobre. Dimanche, le Hamas a diffusé une vidéo montrant trois otages israéliens à Gaza qui demandent au gouvernement israélien d'arrêter l'offensive militaire. Le Hamas a également déclaré avoir perdu le contact avec certains otages sous des bombardements israéliens, précisant qu'ils pourraient avoir été tués au cours des opérations militaires.
L'Égypte a été la première étape de la tournée en Afrique du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Wang Yi a transmis un message de félicitations du président chinois Xi Jinping au président al-Sissi suite à sa réélection le mois dernier. Le chef de la diplomatie chinoise a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir les aspirations du développement de l'Égypte. La Chine et les entreprises chinoises ont largement participé aux efforts de développement de l'Égypte au cours des 10 dernières années. Nous apprécions les réalisations obtenues par la Chine dans son développement. C'est un modèle pour les pays en développement en matière de travail et de volonté politique de progresser et de se développer. Nous espérons bénéficier du modèle chinois. Les domaines de coopération entre nous sont nombreux. L'Égypte a une fois encore réaffirmé son engagement en faveur du principe d'une seule Chine et sa coopération avec la Chine dans la résolution des crises régionales. La guerre à Gaza a été au centre des entretiens entre les deux ministres des Affaires étrangères. Nous travaillons avec les pays arabes et islamiques pour faire cesser le feu et les combats. La crise palestinienne dure depuis 76 ans. Il s'agit d'une injustice historique qui ne doit plus durer. Un cessez-le-feu et la fin des combats doivent être obtenus le plus rapidement possible. C'est une priorité absolue qui dépasse toute autre considération. Garantir le flux de l'aide est un engagement éthique qui ne peut être reporté. Les résolutions concernant l'aide à Gaza émises par le Conseil de sécurité de l'ONU doivent être mises en œuvre. Selon les deux ministres des Affaires étrangères, une paix durable au Moyen-Orient doit passer par la création d'un État palestinien indépendant. Messieurs Wang et Choukri ont déclaré que la communauté internationale devait approuver un plan assorti d'un calendrier pour atteindre cet objectif. La Palestine a également été au centre des discussions avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gait. Au cours de la dernière réunion officielle de Wang Yi au Caire, il a également été discuté des moyens d'élargir le forum de coopération sino-arabe afin qu'il devienne une plateforme de soutien au développement de la région. Avec la visite de M. Wang, la Chine et l'Égypte se sont engagés à renforcer les relations bilatérales au cours des 5 prochaines années. Les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un plan exécutif qui guidera le partenariat stratégique global des deux pays jusqu'en 2028. Une petite inscription qui ne passe pas sur le poignet de ce footballeur israélien. Après avoir marqué un but pour l'équipe turque d'Antalya Sport dimanche et montré son soutien à Israël, Sajiv Jezkel a été arrêté, puis remis en liberté ce lundi. Son geste faisait référence à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et aux 100 jours de guerre écoulés. Son club a annoncé la fin de son contrat. La Fédération turque de football dénonce un geste qui perturbe la conscience du public turc. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a confirmé que 4 de ses ressortissants faisaient partie des passagers d'un hélicoptère des Nations Unies capturé par des militants d'Al-Shabaab dans le centre de la Somalie mercredi dernier. Le porte-parole du ministère somalien des Affaires étrangères a déclaré que l'identité des Ukrainiens à bord de l'hélicoptère des Nations Unies avait été établie. Les autorités de Kiev ont également précisé que l'hélicoptère capturé par Al-Shabaab appartenait à une société privée ukrainienne et était sous contrat avec la mission de l'ONU en Somalie. D'autres sources ont aussi confirmé que des citoyens somaliens, égyptiens et ougandais figuraient parmi les passagers capturés. Le gouvernement somalien a déclaré jeudi qu'il travaillait pour libérer les otages. Mais les responsables de la sécurité sur le terrain ont indiqué que l'opération ne serait pas facile en raison de la forte présence de militants dans les zones environnantes. Un rapport de l'ONU confirme qu'un passager a été tué dans cet avion qui effectuait une mission d'évacuation médicale de la région de Hiran, dans le centre de la Somalie, vers la région de Galgadud, également située dans le centre du pays, lorsqu'il a atterri accidentellement dans le territoire contrôlé par le groupe d'Al-Shabaab après avoir subi un problème technique. Deux journalistes iraniennes condamnées à de longues peines de prison pour leur reportage sur la mort de Mahsa Amini ont été libérées. Selon l'agence de presse iranienne Fars, leurs cautions s'élèvent à environ 170 000 euros chacune. Elles sont toutes deux interdites de sortie du territoire jusqu'à leur procès en appel, dont la date n'est pas encore connue. La mort de Mahsa Amini est à l'origine d'une importante vague de contestation en Iran. Des milliers de personnes sont alors descendues dans la rue et les reportages de Niloufar Ahmedi et El Alay Mohammadi, les deux journalistes condamnés, ont été cruciaux pour la mobilisation. L'Ouganda se prépare à accueillir les représentants de 120 pays du mouvement des non-alignés. Les membres de ce groupe ne sont pas officiellement alignés avec ou contre un bloc de pouvoir majeur. Il s'agit du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux en Ouganda depuis plus d'une décennie. Ce sont les seuls forums qui défendent vraiment les intérêts des pays en voie de développement dans les forums multilatéraux comme l'ONU ou les institutions financières comme la Banque mondiale ou les droits de l'homme à Genève. Nous travaillons donc en tant que groupe sur la scène mondiale.
Le sommet de cette année se concentrera sur l'approfondissement de la coopération en vue d'une richesse mondiale partagée. Il s'agit d'une opportunité que le pays hôte entend bien saisir. La question que l'Ouganda abordera au cours de sa présidence est la suivante. Les pays du Sud plus développés peuvent-ils collaborer avec nous et ajouter de la valeur à nos produits? Nous espérons tirer des avantages du domaine thématique que nous avons choisi. Le mouvement des non-alignés a été créé en 1961, en réponse à la lutte d'influence que se livraient l'Union soviétique et les États-Unis pendant la guerre froide. Le groupe compte 39 pays asiatiques et 53 africains. Les experts estiment que plus de 60 ans après sa création, le mouvement devrait jouer un rôle plus important dans l'élaboration de l'agenda mondial. C'est l'occasion pour nous de dire au monde que nous sommes là. Nous sommes peut-être un petit continent connu pour sa négativité au sein du système international. Mais nous sommes pacifiques et nous avons le potentiel de jouer notre rôle au sein du système international comme n'importe quelle autre région. La dernière réunion du mouvement s'est tenue il y a 4 ans en Azerbaïdjan. Ce sommet avait pour but de rechercher la solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Dans un contexte international en pleine mutation, les discussions des prochains jours devraient porter sur la question israélo-palestinienne, le commerce, la coopération et la manière dont le mouvement des 120 pays peut s'affirmer collectivement au niveau des questions mondiales. La Chine a signé début janvier un accord global visant à stimuler la coopération dans le domaine des musées et des échanges culturels. L'accord a été formalisé lors d'une réunion entre des responsables du ministère iranien du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat et leurs homologues du ministère chinois de la culture et du tourisme. Il comprend 24 projets conjoints visant à promouvoir la recherche, les initiatives éducatives et les échanges culturels afin de renforcer les relations diplomatiques. Un exemple important de la coopération culturelle entre les deux pays est l'exposition de reliques culturelles iraniennes au musée du Palais en Chine. La gloire de la Perse antique est présentée à Beijing de la mi-janvier à la mi-avril de cette année. Il s'agit de la plus grande exposition organisée par l'Iran en Chine à ce jour. Les responsables du Musée national d'Iran ont déclaré que l'exposition actuelle à Beijing s'appuyait sur la présence précédente du pays au musée du Palais en 2020. Il y a 4 ans, nous avons présenté 14 objets en poterie Céladon au musée du Palais en Chine. L'art de la poterie ressemble à la relation historique entre l'Iran et la Chine et a servi d'introduction à d'autres échanges culturels. Le musée national d'Iran est le musée le plus prestigieux du pays, géré par le ministère iranien du tourisme. Il abrite la plus grande collection d'objets archéologiques du pays et représente plus d'un million d'années d'établissements humains et de réalisations culturelles en Iran, depuis l'âge de la pierre jusqu'à la fin de la période islamique. Les touristes étrangers qui séjournent à Téhéran inscrivent souvent le musée à leur programme de visite. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les reliefs en bronze sur les anciens murs iraniens. Le roi est assis sur le trône et les ambassadeurs d'autres pays sont devant lui. Cela montre la magnificence de la période impériale de l'Iran il y a 2500 ans. Une fois que les objets d'art iraniens termineront leur tournée en Chine, les responsables du musée iranien s'attendent à ce que les objets chinois se rendent en Iran pour être exposés aux passionnés d'histoire dans le pays. Après Beijing, nos objets seront exposés dans 5 autres lieux en Chine, notamment à Shanghai, au Sichuan et à Guangzhou. En retour, nous avons convenu avec le musée du Palais de Beijing d'exposer un certain nombre de leurs objets dans un avenir proche. Les collaborations de ce type entre la Chine et l'Iran devraient promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération sur le plan du patrimoine culturel et approfondir les relations diplomatiques et culturelles entre les deux pays. Il s'agit de la 7e marche nationale pour la Palestine ici. C'est une journée froide d'hiver, mais une fois de plus, des dizaines de milliers de personnes défilent dans le centre de Londres pour demander un cessez-le-feu immédiat et la fin de la guerre à Gaza. Le principal organisateur est la campagne de solidarité avec la Palestine, considérée comme la plus grande organisation de défense des droits des Palestiniens en Europe. Avec d'autres partenaires, elle a réservé des autocars pour faire venir des gens de tout le pays. Les manifestants que vous voyez à mes côtés viennent de tous les horizons et de toutes les religions. La guerre à Gaza en est maintenant à son 4e mois. Selon les autorités sanitaires administrées par le Hamas, plus de 23 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués depuis le 7 octobre dans le cadre de la riposte israélienne à l'attaque menée par des combattants armés du Hamas
qui avait tué plus de 1200 personnes et en avait pris 240 en otage. Now, last year, back in November, senior government members were calling this an anti-Semitic hate march. En novembre, d'importants ministres du gouvernement qualifiaient ces marches de marche de la haine antisémite qui devrait être interdite. Les tensions se sont un peu apaisées et cette semaine, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est dit inquiet qu'Israël ne viole le droit international. À La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice s'est réunie pour entendre les arguments de l'Afrique du Sud selon lesquels Israël est en train de commettre un génocide à Gaza, ce qu'Israël nie catégoriquement. Ces manifestants se dirigent vers Westminster, près du Parlement, afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il appelle à un cessez-le-feu. Pour la première fois, il s'agit d'une campagne organisée à l'échelle internationale, baptisée « Journée mondiale d'action pour la Palestine », avec des marches et des rassemblements dans une trentaine de pays à travers le monde. Ce dimanche, un rassemblement aura lieu à Londres, mais en faveur d'Israël. Qu'est-ce qui se passe en Serbie? Évidemment, il y a eu des élections le 17 décembre, qui ont été contestées par l'opposition. Des élections qui ont donné les pleins pouvoirs, qui ont confirmé la domination du pouvoir dit progressiste du président Aleksandar Vučić sur le pays et sur la ville de Belgrade. Or, il était pratiquement entendu, en tout cas on supposait que l'opposition, donc l'opposition pro-occidentale, devait remporter la ville de Belgrade. Et la Serbie a cette particularité, comme on le sait, un petit peu comme d'autres petits pays d'Europe comme l'Autriche, par exemple, ou comme la Hongrie, d'être essentiellement une grosse capitale avec un arrière-pays. Donc, tenir Belgrade, c'est un peu tenir le pays aussi. Or non, le résultat des élections n'a pas été favorable à l'opposition, qui est descendue dans la rue en disant que les élections avaient été truquées. Mais dans ce domaine, je dois dire de manière dépassionnée, que cette opposition serbe ne fait pas preuve d'une très grande habileté ni d'une très grande intelligence parce qu'elle avait décrété que les élections seraient truquées à l'avance. Alors, n'est-ce pas, quand vous partez avec l'a priori que les élections vont être truquées puis que vous dites après les élections ont été truquées, ben en fait, vous avez autorisé, si vous voulez, vous avez autorisé le pouvoir à truquer les élections parce que de toute façon, personne ne va vous prendre au sérieux. On sait que votre attitude, c'est que les élections ne sont pas régulières. Pourquoi vous y avez participé à ce moment-là, si a priori elles n'étaient pas régulières? Donc, l'argument n'est pas très bon, que évidemment l'opinion publique soutient la Russie à 95%, ça c'est absolument clair. Il n'y a qu'à voir les banderoles qu'on déroule dans les stades de foot à chaque match. La semaine dernière, c'était une banderole « Belgorod, nous sommes avec nous », puisque les Ukrainiens avaient bombardé la ville de Belgorod pour Noël, comme on s'en souvient. Donc, l'opinion est très largement du côté russe. Le pouvoir est un pouvoir qui est venu à la suite d'un régime qu'on appelait les jaunes, qui était un régime ouvertement et très, très caricaturalement pro-européen, lequel était lui-même issu du renversement de Slobodan Milošević, du président Milošević en l'an 2000, par une révolution colorée. D'ailleurs, le prototype des nouvelles révolutions colorées, à tel point que les organisateurs de cette révolution, du mouvement Otpor, sont devenus les professeurs de révolution colorée des Ukrainiens et de partout dans le monde. On les promène partout. Dès que vous les voyez apparaître, ces gens-là, ces Serbes dans un pays d'Amérique du Sud, en Géorgie ou je ne sais pas où, vous savez qu'il y a quelque chose qui mijote. Et maintenant, ils ont repris du service chez eux pour essayer, aurait-on l'impression, de renverser le pouvoir de Vučić. C'est un peu plus compliqué que ça. Ces gens sont effectivement contrôlés par les services occidentaux, mais le pouvoir actuellement à Belgrade l'est aussi très largement. En tout cas, il est dépendant. Il ne peut pas avoir la désinvolture d'un Orban par rapport aux Occidentaux. Il y a beaucoup de raisons à cela, je ne peux pas y entrer maintenant, notamment le fait que l'économie serbe dépend beaucoup du travail des Serbes dans les pays de l'Union européenne et que la simple introduction d'un régime de visa serait un coût extraordinairement dur pour l'économie serbe. Par exemple ça. Et puis, il y a évidemment le chantage au Kosovo. C'est-à-dire que
tous les régimes serbes depuis la chute de Milošević ont comme mission première, du point de vue des Occidentaux, ils n'ont qu'une seule mission, c'est de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Parce que le jour où la Serbie reconnaît l'indépendance du Kosovo, toutes les oppositions, celles de la Russie, de la moitié des États de la planète, mais également de certains États de l'Union européenne, comme l'Espagne, toutes ces oppositions tombent. Si la Serbie accepte elle-même de se départir de son noyau historique qui lui a été arraché par une opération militaire en 1999. À ce moment-là, tout tombe. Eh bien, aujourd'hui, on le sait que pour faire pression sur ce gouvernement, il traîne les pieds, qui n'accomplit pas cette mission fondamentale, qui ne signe pas définitivement, même s'il s'en rapproche, la reconnaissance du Kosovo, ben qu'est-ce qu'on fait? On provoque des troubles au Kosovo même, avec de la répression policière, avec des arrestations, ou alors on lui met l'opposition dans la rue en disant « attention, la prochaine fois ça va être sérieux ». Et cette fois-ci, à mon avis, on n'est pas allé jusqu'au bout. En Allemagne, des milliers de personnes ont manifesté à Potsdam ce dimanche contre l'extrême droite. Cette manifestation était organisée après les révélations de la presse sur la tenue d'une réunion secrète à laquelle avaient participé des membres du parti d'extrême droite AfD avec des représentants de groupuscules factieux. Le thème de la réunion portait sur un projet d'expulsion forcée de personnes issues de l'immigration. Au milieu de la foule des manifestants, le chancelier allemand Olaf Scholz et sa ministre des Affaires étrangères ont été aperçus. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, un renseignement qui est vraiment intéressant. Angela Merkel, vous avez tous connu, la chancelière allemande. Bon, les services avaient découvert que, ça c'est pas un secret, elle avait une peur, mais maladive, des petits chiens. Mais des petits, hein, pas les gros chiens, hein, les petits. Elle avait une peur maladive des petits chiens. Donc, si vous vouliez, cette femme qui était une forte femme, hein, qui craignait pas grand-chose, solide, qui lâchait rien, hein, vous vouliez la déstabiliser, vous lâchiez un petit chien. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a lâché un chien. À la première réunion avec elle, il a lâché un petit chien qui est venu, quoi, et elle était traumatisée. Hein? Vous voyez, et du coup, il a pu négocier dans de meilleures conditions parce que du coup, elle ne savait plus où elle en était, ou presque. Si vous voulez, elle avait perdu, pas tout, mais une partie de ses moyens. Quand vous connaissez un renseignement, c'est idiot, mais quand vous savez, par exemple, que quelqu'un a besoin de fumer des cigarettes toutes les 10 minutes parce que c'est plus fort que lui, il est addict, comme on dit. Bon, si vous savez ça, eh ben, vous allez pouvoir négocier en négociation. Vous savez que toutes les 10-15 minutes, il va avoir une envie répressible d'aller fumer une cigarette. C'est le moment de le coincer en lui demandant des trucs impossibles. Vous l'obligez de rester pour qu'il lâche. Et du coup, comme il a envie d'aller fumer sa cigarette, il va lâcher sur des trucs qu'il lâcherait jamais. Ça, c'est du renseignement. Nouvelle alerte volcanique en Islande. Une éruption a repris de plus belle ce dimanche au sud-ouest du pays, près de la ville de Grindavik. Les habitants ont été priés d'évacuer après une série de tremblements de terre inquiétants. En novembre dernier, déjà, le secteur avait été interdit au public après une première alerte. 4000 habitants de Grindavik avaient été évacués. Seule une centaine avait été autorisée à rentrer chez eux. Aucune vie n'est en danger, même si les infrastructures peuvent être menacées, a déclaré dimanche le président islandais Gudni Johannesson. En Grèce, le premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a annoncé un projet de loi sociétale sur l'égalité du mariage. Les couples homosexuels mariés pourraient désormais adopter des enfants, actuellement placés en institution. Mais ils ne pourraient pas avoir d'enfants conçus par des mères porteuses. Le plus grand feu d'artifice jamais organisé pour une succession royale a mis de la lumière au-dessus du parc de Tivoli, à Copenhague, dimanche. Le nouveau roi du Danemark, Frédéric X, a officiellement succédé à sa mère, la reine Margrethe II, qui a régné exactement 52 ans sur le pays. Elle avait annoncé son abdication le 31 décembre dernier. La cérémonie a été très simple, pas de pompeux couronnement au Danemark, mais seulement une proclamation de succession prononcée sur le balcon de Christiansborg, le siège du Parlement et du gouvernement danois. Frédéric X et son épouse, la nouvelle reine Marie, ont été salués par des dizaines de milliers de Danois réunis pour l'occasion. Les quatre enfants du couple royal ont aussi fait une apparition au balcon. L'aîné, Christian, devient le prochain successeur du trône à 18 ans.
Moi, si vous voulez, mon dernier grand souvenir, c'est le référendum sur l'Europe qui avait été sur lequel Charles Pasqua, De Villiers, Philippe De Villiers et surtout Seguin, qui était le leader, hein, avait dit il faut pas voter ça, ça va nous amener à la catastrophe. La France avait été convaincu par 3 hommes contre l'avis général de tous les partis politiques. Hein, elle a voté contre. Et puis après, le président suivant, qui est le président Sarkozy, a décidé par un tour de passe-passe de faire voter ça à l'Assemblée. Et donc, il a fait voter l'Assemblée contre les souhaits du peuple, qui était totalement anti-républicain. Et on le paye très cher aujourd'hui, parce que toutes les critiques qu'il y a sur l'Europe aujourd'hui, ben, elles viennent de ce qu'on a laissé faire. Un traité qui ne correspondait pas aux souhaits des Français. Ouais. Le Resto du Cœur paraissait inconcevable à l'époque. Bon, aujourd'hui, quand on voit le nombre de malheureux et de pauvres gens de tous les milieux, de tous les genres, qui vont là-bas, on se dit que bon, bah, notre société, elle n'est pas si bonne que ça. Moi, j'ai jamais vu à l'époque des gens dans les rues comme on en voit aujourd'hui, couchés dehors. Je voyais aujourd'hui, hier, avant-hier, avec le froid cette semaine à Paris. Bon, quand on regarde, on voit tous ces pauvres gens qui sont dans la rue. Et moi, quelque chose qui me révolte, c'est de voir ces pauvres femmes avec des enfants dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est un pays civilisé, un pays digne de ce nom, quand on en arrive à des choses comme ça? C'est honteux. C'est-à-dire que notre système dysfonctionne complètement. Chirac a fait probablement 2 grandes erreurs, hein, dans sa carrière, mais une dans sa carrière du président de la République, dans son poste de président de la République. Mais une des 2 erreurs, ça a été indiscutablement, ça a été le service militaire. Parce que le service militaire, c'était... Il y avait 2 aspects dans le service militaire. Il y avait le fait que ça mettait tout le monde pareil. Et que, si vous voulez, quand vous êtes fils de bourgeois ou fils d'ouvrier, vous vous retrouvez tous les deux en train de faire du maniement d'armes, de marcher, de souffrir. Favoriser l'intégration. Ça favorisait l'intégration et ça vous apprenait à connaître l'autre. Parce que vous découvrez que le gars, il a peut-être pas fait des études, mais qu'il est beaucoup bien meilleur que vous dans certains domaines. Alors ça vous apprend le respect de l'autre, quel qu'il soit, parce que l'autre, il a des qualités que vous, vous n'avez pas forcément. Hein, les jeunes des banlieues, ils n'ont aucune idée de comment sont les gens du 16e, et réciproquement, eh ben c'est bien dommage, parce que s'ils étaient tous ensemble, ils verraient qu'ils ont tous des qualités, pas les mêmes, mais qui sont complémentaires. Et c'est ça un pays, c'est des gens qui se groupent avec des qualités complémentaires et qui arrivent à construire quelque chose. Et c'est le souhait des Français, un renouveau de la scène politique. Bah oui, hein, on veut tous Gabriel Attal. Oui, il y en a marre, Mélenchon, il est trop vieux. Édouard Philippe, de toute façon, ouais, aussi. Macron, bah, 10 ans, ça suffit. Marine Le Pen, ça va, on la connaît. Donc oui, allez. Hein. Jeune, on s'en fout. N'importe qui, mettez-nous n'importe qui. De toute façon, ça marchera pareil. Édouard Philippe contient l'irrésistible ascension de Gabriel Attal, nous dit le JDD. Discret et silencieux, l'ancien Premier ministre trône toujours dans le paysage, mais il apparaît davantage menacé que Marine Le Pen. Et oui, puisque l'écart entre Attal et lui n'est que de 1 à 3 points, selon les hypothèses, de quoi le rendre nerveux. Alors, c'est commenté comme un pari hippique. Hein, quel cheval avec quel casaque va se placer en première, deuxième position du premier, deuxième tour, sachant qu'on n'a pas le choix? C'est là, on nous sert déjà, en fait, une élection de 2027 avec des candidats qu'on n'a pas choisis, hein, qui ne sont ni décidés par leur parti, ni adoubés. Ils sont simplement adoubés par les médias de milliardaires. Bon, alors,